Salut Station Fréquence, les bons soirs à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Donc on est le vendredi 3 mars 2017. Est-ce qu'il y a du monde derrière la porte? Ah, comme à chaque fois, c'est un petit peu diesel pour commencer. Ok, ben les 113, 51 et 88 retournés à tout le monde. Oui, j'ai entendu ça, là, les coups de vent, là, j'ai vu ça à la télé, là, du côté là, des Pyrénées orientales, là, de ce côté-là. Ah oui, effectivement, ça a l'air de souffler dur hein, de ce côté-là. Quoi. Ben oui, ça permet de nettoyer la crasse, hachi. C'est vieux là-bas, c'est des pays chauds, ils ont beaucoup de poussière. La poussière va s'en aller, pourvu que ça souffle pas dans notre direction, on sera bon pour nettoyer les voitures. Oui, parce que c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on se ramasse de la poussière de sable du Sahara. Et c'est vrai que ça fait un truc un petit peu jaunâtre, un truc comme ça, un peu lavasse là sur les bagnoles, c'est pas terrible. Ah tiens, pendant que j'y pense, ce que tu fais justement là au niveau interaction, là, le CB Internet CB, eh bien tu vois, ça a donné l'idée justement au QSO National Centre France de faire aussi leur interaction CB Internet CB. Alors tu vois, c'est comme quoi c'est une bonne idée d'avoir lancé ça, puisque là maintenant ça se propage. Et du coup, et bien, les gens qui vont pouvoir écouter par ce biais-là, au bout d'un moment, ben, ça va les titiller, ils vont se sentir un petit peu frustrés dans le coup, et ils vont se rééquiper. Donc c'est une affaire qui marche. Ok, ben merci Roselyne, Roselyne du 44, des 88 retournés. Merci aussi Michel du 31, des 73 retournés. Et là, Michel, la tour de contrôle, garde tes réglages comme ça, c'est nickel. Ça passe aussi bien que quand c'est toi qui a le micro devant la bouche. Là, c'est nickel, il n'y a pas de saturation, c'est le même niveau sonore, c'est impeccable. Ah non, mais c'est vrai que là, tu pourras voir là, dans la vidéo,
C'en est bluffant même, puisqu'on croirait que les stations sont avec nous, là, sur la Gironde. C'est à ce point-là, quoi. La Nièvre, c'est quel numéro de département? Ouais, désolé Eric. Ouais, excuse-moi Michel, la Nièvre, c'est quel département? Je l'entends. Je l'entends. Ouais, Xavier 73, j'espère que tu vas bien, voilà. Mais écoute, je ne sais pas si tu entends. Et s'il y a une autre station derrière, dans l'avant, hein. Ok, 73 Xavier, ouais, j'étais un petit peu entendu, hein. C'est très très QRP, de là à dire que je peux arriver à comprendre ce que tu dis, hélas non, mais tu seras quand même dans la vidéo, hachis trois coups. Tu l'as entendu, Xavier, Rémi ? Ouais, retour Eric. Ouais, mais j'ai pas tout compris, hein, parce que Michel, ce soir, il m'arrive, mais alors, QRP, je suis QRP. Tiens donc. Ok, j'espère qu'il y a un blanc. Oh. Ouais, ok. Nicolas, est-ce que à tout hasard tu seras en fréquence? Son QTH c'est Mérignac, et s'il est en fréquence, il sera en mobile. Non, j'entends pas, à moins que toi Eric t'as entendu quelque chose. Non, mais non, Nicolas, est-ce que tu l'écoutes?
les stations, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le cuisson national, en avant, allez-y. Eric, je passe le cuisson maintenant. Ça va un petit peu mieux que tout à l'heure, oui, Eric. Oh, j'ai pas un pet de QRM ce soir, hein. C'est le calme olympien. Hein. Ah, voilà, mais c'est pas les QRM qui me gênent, c'est que Michel il n'est pas fort. Hein. C'est plutôt quelque chose comme la propague, hein, parce que moi c'est pareil, les QRM ça va à peu près. Voilà. Bon, 73 Rémi, bonjour à la petite famille. Et j'ai vu que tu t'étais mis dans le reportage des magasins sur Bordeaux. Bon, alors comme quoi tu vois que j'ai pas eu le temps de m'occuper là du téléphone, de ce qu'on avait parlé là devant devant le poste. Oui, du coup, ben oui, puisque allez, je remets tout ça à l'endroit. Aujourd'hui, je devais aller sur Bordeaux là, j'avais un truc là à faire là au niveau pro là pendant une petite heure. Et je me suis dit, après tout, pendant que j'y suis, eh bien tiens, je vais faire un petit peu le tour des centres auto pour voir ce qu'il en est. Et voilà, t'as vu, c'est quand même pas mal. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas du tout fermés, justement, la côté Siby, puisqu'ils ont leur représentant président. Et il n'y a pas de souci pour avoir du matériel. Par contre, ils ont un contrat d'exclusivité président, hein, apparemment. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Affirmatif, c'est ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça sur les photos que tu avais sur Facebook, voilà. Allez, mais je retourne le micro. Allez, 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 allez. Ok, bon, de toute façon, bas ou pas bas, peu importe, hein, on clarifie dessus, hein, c'est pas méchant. Mais de mon côté, de toute façon, j'arrive pas à le sortir. Hein. Là, j'ai essayé en enlevant les filtres et tout, ça, histoire de faire remonter un petit peu le niveau sonore. Et je l'entends derrière, hein, y a pas de souci, mais de là, c'est j'aurais un point de QRM que ce serait foutu, quoi. Ok, Dolu 33, est-ce que tu es des nôtres? Non, négatif, il n'est pas là ce soir, je l'ai dit tout à l'heure, il ne sera pas là du tout le week-end. Ok, Fredo, est-ce que tu es là? Bon, apparemment, il doit être occupé avec le petit, ou il veut pas faire de bruit pour pas le réveiller. Florent, de Galgon, est-ce que tu es là? Eh bien ok, si vous le prenez comme ça, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, allez-y, n'hésitez pas à breaker et à rentrer dans le QSO. Eh bien apparemment ce soir ça a l'air de vouloir être calme. Ok, bon c'est pas grave. Hein. Demain soir, je garantis pas de pouvoir être là à l'heure. Hein. Puisque là, je débaucherai demain soir à 19h, je serai à 70, c'est ça Fabienne? Ouais, je serai à 70 km d'ici, la sortie des magasins et tout, et puis vu là où je serai, de toute façon, je serai coincé dans les bouchons. Donc c'est pas sûr du tout que je puisse être en fréquence. Hein. Oui, retour Eric. Tu m'avais déjà prévenu, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, voilà. Mais
écoute, tu fais suivant comment tu peux, comme tes possibilités, comme tu peux, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, voilà. Allez, mais, retourne sur Michel. Hein. Ouais, Eric, est-ce que là tu m'entends un peu mieux? Je t'entends, mais c'est pas comme d'habitude, là, c'est vraiment pesquet ou pequeño, quoi. Bon, voilà, je vais en faire avec, c'est pas grave. C'est vrai que pour que vous puissiez entendre les autres, moi j'ai fait une nouvelle installation avec, je parle sur le côté du micro, au lieu de parler devant le micro. Bon ben, par contre, il y a quelqu'un qui apparemment se signalait au loin, alors on va dire là, oui, la station là, qui a essayé de rentrer. Retour à vous. Il est passé, oui, c'est le calme plat. Et c'est pas comme l'autre après-midi. Oui, tiens, t'as vu un petit peu, et là, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, là, en répondant au message? Il y en a un qui a eu le Curaçao. Putain la vache, j'ai jamais entendu ce côté-là, quoi. Attends, j'ai pas tout compris. J'étais au croisement là, en haut de Sainte-Colombe. Et là, la hauteur. Attends, j'ai pas compris. La hauteur. Tu veux savoir la hauteur? Je crois que ça doit être quelque chose comme 80-90 mètres. Ça doit être autour de ça, quoi, l'altitude. À cet endroit-là, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, ça y est, de suite. Non, mais si je dis Sainte-Colombe, tout le monde va se gratter la tête et se demander dans quel pays c'est. Si je dis Saint-Émilion, et là, de suite, tap, ça leur parle, les gens. Et ça, n'importe où dans le monde, tu dis Saint-Émilion, forcément, ils connaissent. Putain, cette équipe de poivreaux qu'il peut y avoir sur Terre. Ah, mais je te signale qu'au début, ce que je faisais après au début, ça remonte avec la vingtaine de l'armée. Je disais pas le nom Gironde, je disais l'opérateur à peine avec 14 Alfa Romeo et l'esclair de la Gironde. Et bien qui sait que l'esclair de la Gironde, il y avait du monde qui répondait parce qu'il cherchait où se trouvait l'esclair de la Gironde. Eh oui, ben bah tiens, toi, t'aurais dit Bordeaux, ça aurait été plus simple. Puisque je vois, c'est... comment c'est déjà? Daniel, Billy Decat, qui est qui est sur 24. Alors lui, quand il est en fréquence, il dit Bordeaux. Alors que lui, par contre, c'est le département 24. Mais comme il m'a expliqué, il préfère dire Bordeaux parce que voilà, c'est plus connu, quoi. Sur Bordeaux, parce que j'allais commencer, mais Bordeaux, il y a tellement de pingouins qui appellent depuis Bordeaux, et tu vois, il y en a encore, et ce soir, il m'en foudra pas, il s'est cru de plaisanter. Oui, c'est trop. Mais non, Bordeaux, alors après, quand je parlais l'estuaire de la Gironde, alors là, j'attirais les curieux. Ah bah tu m'étonnes, chie trois coups, pourtant c'est connu quoi. Il y a le mot Gironde dedans, ça devrait leur péter à la tête quoi, chie. Le monsieur qui a glissé par son micro, retour à vous. J'entends rien. Hein. Ah ben il y avait un monsieur, il y avait un bébé là. Mon ami Eric, je me suis mis, j'ai déplacé le micro, là c'est mieux.
avantage parce que notre système, il est à mire et il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Oui, Eric, il faudra que tu arrives à me passer le nom de l'atelier de réparation avec les coordonnées et tout. Tu sais, l'ancien dépanneur de chez Radio AM 33. Voilà, justement, il faudrait que tu arrives à me passer tout ça, car on m'a déjà demandé justement des infos à ce niveau-là. Ok, comme tu veux, sinon ben, tu m'envoies un email ou via message perso Facebook avec, avec le nom du. Le nom du parce qu'il a dû mettre un nom, je pense, à sa société. Pas de problème, ça verrait tout ça. Ouais, ok, ouais, parce que justement, il y a du monde qui attend justement des infos. Pour pouvoir envoyer leur matériel. J'ai quelqu'un justement là en message perso là sur Facebook qui justement là qui m'a déjà relancé à ce niveau-là quoi. Oui Eric, l'ancien réparateur qu'il y avait là chez Radio AM 33, voilà c'est mis à son compte. Oui, le bimbi derrière, en avant. Toujours rien. Ouais, c'est pour du dépannage, hein, uniquement. Il n'y a pas de vente, hein, que du dépannage. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais entendu. Mais justement, c'est ce qui est le plus recherché. Oui, oui, voilà, exactement, quoi. Toujours là, Javier. Ah, c'est pas bien, hein. Vous l'entendez tous sur la vidéo. Si moi j'entends, vous vous entendez aussi. Reste comme ça, c'est bon. Bon, mais retour à Rémi. Hein. Ok, ouais, bon, il y a encore un petit chouïa, quoi. Même si j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, j'ai quand même réussi à le suivre, puisque tout à l'heure, il était monté sur 27275.30.300, je veux dire. Hachi. Ouais, ouais, mais je l'ai pas fait signoler, là on arrive à le comprendre, ça va.
Ouais. Au fait, pendant que j'y pense, samedi prochain, on se donne rendez-vous à quelle heure à la station essence là, qui est juste après là, le pont François Mitterrand. Ouais, mais ça me rend ça, je t'en viens du vent, mais je vois pas derrière. Oui, en avant les stations. À l'avant. Ça doit être plus la peine parce qu'il se signale que quand il y a quelqu'un qui parle. Rien de mon côté. D'accord, ok, c'est vrai que là, il doit être pas mal occupé aussi de son côté en ce moment, je l'ai pas eu encore. Là. Ouais. Donc, j'ai commandé mon petit équaliseur, ça va pas tarder. Ah, lequel? L'équaliseur vivant, là, pour le Yazoo, là, ça va avec le chambre d'écho, compression de modulation et tout ce qui va avec. Là. Ok, et au niveau plage de fréquence, de micro, est-ce que le poste va l'accepter ou il y a des trucs, il y a des parties, les extrémités qui vont être tronquées? Ah non, tout à RJ45, c'est impeccable, c'est exprès pour le 450. D'accord, ok, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On voit des stations là qui ont des trucs pas possibles avec console de mixage et tout le Bataclan. Enfin, quand je dis mixage, bref. Mais est-ce que le poste derrière peut suivre et restituer après en fréquence l'ensemble de tout ça? C'est pas toujours évident, quoi. Tu vas voir la différence, ouais. Voilà. Allez, retour, allez.